À l'ambassade française de Port of Spain, l'ambassadeur de Trinité et Tobago, M. Lavrov, a accueilli la première édition de la Journée internationale des professeurs de français. Célébrée au niveau mondial, cette manifestation constituait une occasion unique pour rassembler des professeurs de français de toute la Caraïbe anglophone et ainsi commencer à créer un vrai réseau régional, comme nous l'avons souhaité dans le cadre du programme IFLE CARICOM. De Trinité et Tobago en collaboration avec l'ambassade de France ainsi que l'équipe IFLE. Deux représentants des 11 pays ciblés par le programme IFLE ont été invités à participer à l'événement dans le but de mettre en lumière leur travail et de permettre aux différents professeurs de partager les techniques et méthodes qu'ils emploient pour faire rayonner le français dans la Caraïbe anglophone. Pour chaque pays était présent un enseignant et le président de l'association des professeurs de français. Je trouve que cette invitation, cette expérience, c'est une grande opportunité pour les professeurs à interagir avec les autres professeurs et discuter les questions qui nous importent. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a motivé à devenir professeur de français? Je pense que c'était ma prof de français à mon collège ancien, c'est Dr. Jean Campbell. Elle était une grande motivation, une inspiration pour moi parce qu'elle m'a exposé à un nouveau monde quand j'ai voyagé à d'autres pays francophones comme la Martinique et la Guadeloupe quand j'étais à 5e et 4e. Et pour moi, je pense que j'ai découvert que le monde était plus grand que la classe et que mon pays en général. D'accord. Et est-ce que tu aurais un message pour un futur professeur de français? Oui, je dirais à ces personnes que le français peut vous offrir une opportunité à voyager et exposer vos enfants dans la classe à des réalités qui sont étrangères pour nous et qu'ils devraient aussi encourager les élèves à étudier en France et chercher le travail et faire des connaissances d'autres personnes dans le monde francophone. Les mots de bienvenue ont été prononcés par M. Serge Lavrov, ambassadeur de France. Mon premier devoir est donc de vous accueillir avec les égards, le respect et la gratitude qui vous sont dus et de rendre hommage à votre engagement en vous adressant très sincèrement des mots de remerciement. Madame Elicia Gordon et Madame Evelyne Gass. Par la suite, une conférence intitulée « Être professeur de français dans la Caraïbe anglophone, l'innovation au cœur de l'éducation » a été modérée par Madame Alexandra Mengue, directrice de l'Alliance française de Trinité et Tobago. Comment s'est déroulée l'organisation de cet événement? Alors, on s'est constitué en comité directeur avec d'un côté l'ambassade de France à Trinité et Tobago qui représentait le ministère, l'Alliance française ici, et représentée par moi, et le programme IFLE, donc représenté par Wendy Diema. On a fait plusieurs réunions pour savoir ce qu'on avait envie de faire, quel était le programme, quels étaient les fonds qu'on allait apporter et qui est-ce qu'on allait réunir. Et on en est arrivé à cette journée autant couleur. On a mentionné que c'était la première édition de la Journée internationale des professeurs de français. Quelles sont tes impressions? Alors, je dois dire que pour une première édition, ça se passe super bien.
Pour l'instant, on a un grand public. On a des professeurs qui viennent de 10 autres îles, 11 îles différentes de la Caraïbe, toutes réunies ici à Trinité et Tobago, sous le haut patronage de l'ambassadeur. Tout le monde est francophone et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est la première fois qu'on a pu faire une journée entièrement en français, avoir des témoignages de tous les professeurs. C'était vraiment très, très intéressant et enrichissant. C'est la première édition, tu as fait partie de l'organisation. Est-ce que tu aurais des conseils pour la suite, pour la perspective d'avenir? Je pense que le seul conseil que je peux donner, c'est s'allier. Voilà, se mettre ensemble. Nous, au sein du comité, de base, on était, y avait le côté Fondation Alliance Française, le côté ambassade, donc le ministère qui était représenté. Et puis l'apport du programme IFLE, c'est voilà, se réunir, prendre plusieurs entités. On a aussi fait venir les associations des professeurs de français qui ont apporté leur pierre à l'édifice. Voilà, tout ce petit monde ensemble, on fait cette journée composée de différentes activités, différents temps, différents moments. Et je pense que c'est ça la réussite de cet événement, s'allier et s'associer aux différentes entités qui font la francophonie. Des acteurs pédagogiques de la région caribéenne ont fait part des difficultés de l'enseignement du français dans la région et présenté des pratiques innovantes et créatives dans l'enseignement du français langue étrangère. Je vais vous parler des casques de réalité virtuelle. Notre choix de développer l'utilisation des casques de réalité virtuelle n'est pas anodin. Je vous l'ai dit, nous observons en effet depuis plusieurs années que les préférences en termes de méthodes d'apprentissage des jeunes de la région ont changé. La technologie occupe une place importante dans la vie des jeunes d'aujourd'hui, notamment avec le développement des smartphones, des ordinateurs, des tablettes. Ces technologies ne doivent pas être considérées comme des menaces, mais plutôt comme des outils. Donc voilà, il s'agit pour nous de réfléchir à comment les utiliser à bon escient en cours de langue pour favoriser l'apprentissage du français. L'art a été un outil mentionné de façon récurrente pour combiner la théorie et la pratique, tout en suscitant l'intérêt de la jeunesse, la culture étant un élément important du programme, ainsi qu'un moyen utilisé de manière universelle pour promouvoir et préserver son héritage. Donc, je vais vous parler un peu de la façon dont j'utilise le jeu, le théâtre et dernièrement le téléphone portable dans ma classe de français. Alors d'abord pour le contexte de la licence, lorsque j'avais mes étudiants qui faisaient une licence de français, évidemment le contenu était assez strict et le temps était limité pour pouvoir innover dans la classe, donc c'était plus difficile. Les compétences étaient séparées, donc on avait des cours de grammaire, expression orale, expression écrite, compréhension orale et compréhension écrite de façon séparée. Donc avec un temps limité, 50 minutes par classe, et évidemment donc difficile de pouvoir développer dans ce cadre-là avec un programme lourd. Donc j'ai quand même essayé en grammaire. J'utilisais beaucoup la chanson, peut-être que vous le faites également, pour réviser, mais aussi pour insérer le côté culturel et de la francophonie. J'allais au-delà de la chanson française, mais chanson francophone. Alors, le théâtre, formidable pour les étudiants timides, vraiment. J'ai vu des étudiants prendre la parole sur scène et puis vraiment nous surprendre de confiance sur scène, etc. Donc ça, c'était vraiment formidable. Mais après, dans la classe elle-même, c'est vraiment une mise en confiance, en fait, qui est la clé. Donc, les mettre en confiance, leur dire « je ne vous juge pas, je suis ici pour t'aider » et vraiment faire quelque chose de très collaboratif. Après cette grosse organisation, quels sont vos ressentis par rapport à l'événement aujourd'hui? En fait, je crois que c'était quelque chose dont on a besoin parce qu'il y a autant d'associations pour les autres, pour les maths, pour les sciences et pour l'espagnol plutôt que français. Et je crois que c'était vraiment nécessaire d'avoir une journée comme ça parce qu'il y a autant de monde qui ne sont pas vous, ça fait longtemps, il y a des profs qui font des networking. C'est très important de partager des idées et des choses comme ça. Aussi, je crois que c'est assez important pour l'innovation, même avec les étudiants de la technologie et tout ça, c'est vraiment important pour parler de choses comme ça.
Il s'agit vraiment d'un succès, hein, puisque beaucoup de participants, une journée quand même bien remplie avec des activités diverses, un spelling bee, une conférence sur le fait d'être professeur, particulièrement dans la Caraïbe anglophone, et puis bien sûr un cocktail, puisque l'ambassade de France à Port-d'Espagne nous reçoit aujourd'hui pour cette journée du prof de français. Une journée qui réunit des représentants de plusieurs pays, qui permet d'apporter des échanges, ce qui est un concept, un aspect, un élément du projet IFLE. Pouvez-vous élaborer sur ce sujet ? Oui, donc il s'agit du premier rassemblement de professeurs de français dans la Caraïbe anglophone. Donc on a fait venir des professeurs de 11 pays. Donc c'est une première et on espère que ça va leur permettre d'échanger au niveau de leur pratique pédagogique, au niveau aussi des associations de professeurs de français qui ont vraiment besoin d'être remobilisés autour de l'enseignement et de la promotion du français dans la Caraïbe anglophone. Donc voilà, on a tout un programme pour eux. On va leur présenter également les formations qui sont proposées dans le cadre du projet IFLE. Voilà, donc on espère vraiment que ça aura des retombées très très positives sur l'enseignement du français. Quelles ont été vos impressions sur l'événement aujourd'hui ? Alors mes impressions sont très bonnes à plusieurs niveaux. Un, nous constatons au fil de l'évolution du projet qu'il y a un vrai intérêt, que les gens commencent à vraiment comprendre que le projet n'est pas simplement un projet français, mais c'est un projet que nous devons mener ensemble. Si nous voulons vraiment aller dans une démarche d'intégration régionale, il est important que chaque personne voit l'importance que son rôle peut jouer. Et donc la présence d'autant de personnes qui viennent du domaine de l'éducation est vraiment une preuve qu'ils comprennent leur importance et que nous avons aussi confiance en eux. Et l'objectif final, c'est vraiment d'utiliser la langue française comme étant un outil qui permettra par la suite aux étudiants de se déplacer, qui permettra d'augmenter le nombre d'échanges qui se fait non seulement au niveau culturel, mais aussi au niveau des actions dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc je suis particulièrement heureuse de voir ça. En plus, nous sommes reçus dans un environnement particulièrement agréable et donc j'attends encore beaucoup, beaucoup de choses du projet IFLE. Madame Gass, est-ce qu'il y a des thèmes précis qui ont été abordés aujourd'hui ? Alors, en fait, un des thèmes prioritaires de cette journée du prof de français, c'est l'innovation, la créativité et l'innovation. Et dans le cadre de l'innovation, notre idée, ça a été déjà de commencer à échanger un petit peu avec les professeurs sur qu'est-ce qu'ils peuvent amener dans leur classe, dans leur cours de français en termes d'innovation. Et on a notamment profité pour présenter un projet pilote qui se fait dans le cadre, en fait, du projet IFLE à Sainte-Lucie, qui est un projet en lien avec la réalité virtuelle, projet en fait qui est soutenu par l'Institut français, qui a l'ambition effectivement de donner un nouveau souffle à l'apprentissage de cette langue. Différentes activités interactives ont été proposées tout au long de cette journée. Le film Les Grands Esprits, présenté au Festival du film européen de Trinité et Tobago 2019, a été projeté en français, sous-titré anglais. Madame Sabrina Lipoff a présenté les différentes opportunités offertes aux professeurs de français par le programme IFLE. Elles ont pour but de stimuler la coopération régionale. Le concours d'orthographe de français a par ailleurs donné lieu à des interactions spontanées entre professeurs des différents pays. Un atelier visant à présenter la Fédération internationale des professeurs de français et à partager des conseils sur la création et la gestion d'une association de professeurs de français a été animé par M. Stéphane Rivelet, ancien président de la Fédération internationale des professeurs de français. À cette occasion, l'association de professeurs de Trinité et Tobago a d'ailleurs été officiellement relancée. La soirée s'est terminée par une remise de prix pour les participants qui se sont démarqués au niveau de leur territoire respectif, ainsi qu'au sein de la région. Ces prix ont été remis par les représentants du réseau des alliances françaises de la Caraïbe anglophone, ainsi que par les membres du programme IFLE. Having an asset of language allows you to communicate anywhere around the world and to be able to understand the different languages and the different people. When you have an opportunity like this, it gives you more confidence. You have an asset to be able to be able to communicate and create things and
you are always better off when you have an asset. And the French language is such a beautiful asset to be able to learn. Monsieur Serge Lavrov a prononcé les mots de clôture et les échanges se sont poursuivis lors d'une réception. Ce verre de l'amitié qui aujourd'hui, ce soir, dans le monde entier, réunit tous les francophones, et en particulier tous ceux qui, comme vous, transmettez, honorez et défendez la langue française. Cette première journée internationale du professeur de français dans la Caraïbe anglophone, qui a réuni plus d'une centaine de participants et fait la démonstration d'un esprit de corps à l'échelle régionale, peut donc être considérée comme un véritable succès et ouvre une porte aux possibilités à venir.